Salut tout le monde! Vous êtes prêts à voir des moments sportifs incroyablement beaux? Alors accrochez-vous car les images que vous allez voir vont vous émouvoir. Lorsqu'un jeune garçon a raté sa chance d'attraper une balle perdue, un autre enfant du public a fait preuve d'empathie. Et lui en a donné une parmi celles qu'il avait achetées. Ce skieur a sauvé une femme au loin, coincée sous une épaisse couche de neige, et qui commençait à manquer d'oxygène. Un pilote de motocross simule un accident devant une grande foule, afin de pouvoir demander sa petite amie en mariage lorsqu'elle vient le voir. Lorsque ce nageur olympique a été disqualifié à la suite d'un faux départ, ses juges au grand cœur ont fait une exception pour lui donner une seconde chance. Lorsque ce joueur de baseball de l'équipe gagnante a remporté la victoire, il a rapidement couru serrer dans ses bras son ami de l'équipe adverse. Il lui a dit que son amitié était plus importante que le résultat du match. Ce combattant de l'UFC a respectueusement arrêté de frapper son adversaire lorsque l'arbitre n'a pas été assez rapide pour l'arrêter. Un ancien joueur de football de 89 ans s'est amusé comme un petit fou lorsqu'il a ravivé ses vieux souvenirs, en réussissant à nouveau un touchdown. Pendant un match de tennis, une femme dans le public a paniqué lorsqu'elle n'a pas pu localiser sa fille. Pensant qu'elle avait été kidnappée, heureusement elle l'a retrouvée, ce qui a suscité l'émotion de tous. Un coureur s'arrête et fait demi-tour avant d'atteindre la ligne d'arrivée pour aider un concurrent blessé à sa place. Ce jeune garçon a été vu en train d'aider ses coéquipiers à lacer leurs chaussures avant le match. Après un match de basketball, le célèbre joueur Giannis a fait le bonheur de cette petite fille, en lui donnant ses chaussures. Un lutteur a reçu une acclamation parce qu'il a fait exprès de perdre à cause de la blessure de son adversaire, alors qu'il aurait pu facilement gagner. Lorsque cette joueuse de softball n'a pas pu courir plus loin à cause d'une blessure, ses adversaires l'ont portée pour atteindre les bases.
Un père héroïque plonge par-dessus la barrière de la piscine pour sauver son fils de la noyade, alors que personne n'était présent. Lorsqu'un fan s'est précipité sur un joueur de football, les agents de sécurité l'ont taclé, ce qui a mis le joueur mal à l'aise. Il a donc donné sa médaille au petit garçon pour lui faire plaisir. Lorsque ce joueur de basketball est tombé sur un jeune fan au premier rang, il lui a gentiment signé son maillot pour se faire pardonner de l'incident. Lorsque le hijab de cette joueuse a été accidentellement arraché par un joueur adverse, tous se sont rassemblés autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle puisse le remettre. Un jeune garçon a attrapé une balle perdue et espérait pouvoir la garder pour lui, mais il l'a donnée à une petite fille derrière lui. Le joueur de baseball Addison Russell livre une nouvelle assiette de nachos à un fan, après les avoir renversés accidentellement pendant le match. Un enfant de 7 ans atteint d'un cancer du cerveau a eu l'occasion de marquer un touchdown avec son équipe de football préférée. Un jeune garçon ému a finalement reçu un souvenir lorsqu'une petite fille lui a offert un palais. Ce skieur a poursuivi un chien qui avait dévalé la pente pour vérifier s'il allait bien. La première chose que Slutter a fait après avoir gagné le match a été d'aider son adversaire à sortir du tapis, car il était blessé après le match. Après un match, le joueur de basket, Steph Curry, a signé ses chaussures usées et les a remises à un fan dans le public. Dans un moment d'extrême sportivité et d'humanité, les deuxième et troisième places du championnat du monde de patinage artistique aident à soulever le champion pour une photo de podium. Lors d'une interview après le match, un fan a couru vers un joueur de football allemand très connu, et bien sûr, la sécurité l'a fait fuir. Mais dans une tournure d'événements très réconfortante, Christian Pelizek a décidé de courir après le fan et de prendre une photo avec lui.
la fin d'un match de hockey, un des joueurs a donné à un jeune fan les autocollants du match. Et sa réaction était inestimable. Pendant un match, LeBron James a accidentellement poussé une femme en marchant à reculons. Il s'est empressé de l'aider à se relever et l'a même serré dans ses bras. Un moment très émouvant dans l'histoire du sport a été celui où le tendon du coureur Derek Redmond a claqué au milieu de la course, et où son père qui regardait a sauté sur la piste pour l'aider à terminer la course. Pendant la course féminine de 400 mètres, l'une des coureuses a trébuché et a fait tomber l'autre. Dans un moment de respect, les deux coureuses se sont aidées à se relever. Lors d'un match de tennis, Dimitrov a invité le public à se joindre à lui pour jouer contre l'un des joueurs de tennis les plus connus au monde, Roger Federer. Un marathonien était trop épuisé pour finir la course. C'est alors que son frère l'a rattrapé et l'a aidé à franchir la ligne d'arrivée. Lors d'un match de tennis, l'un des joueurs a raté son coup et s'est blessé à la cheville. Son adversaire n'a pas hésité à courir pour l'aider. Pas exactement dans le cadre d'un match, mais un fan a essayé de courir vers le joueur de football Messi pour prendre une photo. Mais l'agent de sécurité a arrêté l'enfant et nous avons pu le voir pleurer pendant qu'il était emmené. Mais Messi a décidé d'égayer la journée de l'enfant et de prendre une photo avec lui. Après qu'une balle soit sortie des limites du terrain, un joueur de baseball l'a donnée à l'un des membres du public. Et fait intéressant, le supporter a décidé de la donner à un autre supporter. Des joueurs de football universitaire ont donné à un père de 89 ans l'occasion de marquer un touchdown. Une fan dans le public était en larmes lorsque son joueur préféré s'était approché d'elle. Et le footballeur a décidé d'égayer sa journée en prenant une photo avec. Elle avait même un étui de téléphone avec sa photo. Lors d'un match de tennis, l'arbitre de chaise a été touché par la balle et le joueur s'est empressé de s'excuser et de l'embrasser. Lors d'un match de volley-ball, la balle a rebondi directement dans le visage d'une fille. Et sans hésiter, son adversaire est allé voir si tout allait bien. Lors d'une course de célébration, une des athlètes s'est blessée au genou et son coéquipier s'est empressé de l'aider. L'un des plus grands fans de Neymar a couru sur le terrain pour le rencontrer. Et au lieu de demander à la sécurité de faire sortir l'enfant, Neymar l'a serré dans ses bras et a même demandé à la sécurité de se retirer. Et avant de partir, Neymar a offert un t-shirt aux fans. Un autre enfant a été invité à jouer une partie tennis avec Roger Federer. Malheureusement pour lui, il a paniqué et n'a pas réussi à passer le filet. Mais c'est un moment qu'il n'oubliera pas.
Un joueur de football a décidé de serrer dans ses bras sa petite amie Pom Pom Girl pendant un match. Et nous pouvons clairement voir que cela a illuminé sa journée. Pendant un match de football, un joueur de Manchester United a accidentellement touché une des femmes du public avec le ballon. Il s'est empressé d'aller voir si tout allait bien. Après que le fan de Cristiano Ronaldo ait sauté une barrière pour avoir la chance de le rencontrer, Cristiano a été tellement touché qu'il a décidé de rassembler toute l'équipe pour prendre une photo de groupe avec eux. Après avoir remporté un match très important, le joueur de football Lucas a décidé que la meilleure façon de fêter l'événement était d'emmener son nouveau-né sur le terrain avec lui. Cristiano Ronaldo a décidé de donner un t-shirt dédicacé à un fan qui avait des larmes de joie. Après qu'un joueur se soit blessé, le footballeur Cristiano Ronaldo a aidé son adversaire à s'étirer. Même si Cristiano Ronaldo a la réputation d'être très compétitif et arrogant, il a prouvé que cette réputation était fausse lorsqu'un joueur de l'équipe adverse est blessé et qu'il a aidé à le transporter, malgré la défaite de son équipe et le peu de temps dont il disposait. Après qu'un fan ait réussi à effectuer un impressionnant tir lors d'un match de basketball, LeBron James est devenu fou de joie et a serré un fan dans ses bras. Au milieu d'un match, Neymar a décidé de donner ses chaussures usées à un fan qui se trouvait sur le terrain, puis a pris des photos avec d'autres fans. Et voilà, c'est déjà fini. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires lequel de ces moments vous avez trouvé le plus émouvant. J'ai hâte de voir vos réponses. Cette vidéo vous a plu? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.